Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Donc c'est un haul AliExpress. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait, donc je voulais vous en faire un. Et je sais pas si vous le verrez, mais je suis allée au coiffeur ce matin. Donc je me suis fait un peu dégrader, puis un peu dégrader la frange aussi. Et voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous plaira. Et c'est parti. Par contre, je vous mettrai les prix quelque part dans la vidéo parce que là, je les ai pas sur moi. Donc voilà, je commence. Pour commencer, je vais vous présenter ce que j'ai sur moi. Donc, c'est ces petits faux ongles. Donc, assez jolis. Non, ils sont bien. Pas énormément longs. Voilà, donc il y a léopard, noir et doré. Pailleté. Voilà, mais ils sont vraiment assez sympas et puis ils n'étaient pas très chers. Voilà pour ça. Ensuite, bah écoute, pour continuer dans les ongles, je me suis pris ce lot de faux ongles. Il y en a 500. En fait, chaque taille d'ongle était dans un petit pochon comme ceci, mais il est petit. Mais moi, j'ai tout mélangé et c'était pas très très cher non plus. Voilà. Et en fait j'ai pris des ongles couleur des ongles d'ongles normal pour pouvoir changer de couleur. Voilà. Donc voilà pour ceci. Oui, je suis désolée mais ma frange me gêne un peu. Donc voilà pour ceci. Je continue dans les ongles du coup. Donc je me suis prise un lot de glue pour les ongles. Donc il y en a 10. Il y a dedans 2 grammes, je crois. Oui, 2 grammes. Elles sont assez petites, mais elles sont très bien. Donc là, j'ai testé avec ces ongles. Je vous dirai ce qu'elles valent, si je vous les recommande ou pas. C'est de la marque Nail Glue. Et voilà. Donc il y en avait 10. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est ça. Donc voilà pour ces cols. Ensuite je continue toujours dans les ongles. Je me suis pris un lot de 4 lima ongles comme ceci. Donc c'est des lima ongles en vert. Voilà. Elles sont très bien, elles liment assez bien. J'en suis contente. Il y en avait 4, c'est un lot de 4. Et je ne l'ai pas payé très cher non plus. De toute façon, sur AliExpress, c'est jamais très très cher. Et voilà, pour la qualité, franchement, je vous conseille. Voilà. Ensuite, je continue avec un micro. Donc en fait, j'ai pas pu le tester vu que je n'ai pas d'ordinateur. Le mien s'est cassé. Donc du coup, là, je ne peux pas m'en servir. Parce que sur iPad, ça marche pas. Et en fait c'est un petit micro, donc il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont pris, donc c'était un recalque comme ceci. Et en fait là vous avez la petite pince pour l'accrocher, comme ça vous avez le micro à proximité. Et là vous avez une petite prise jack. Donc dès que je peux je testerai et je vous dirai ce que j'en pense, bien sûr, bien évidemment. Et je l'ai reçu dans un petit pochon comme ceci. Voilà pour ça. Je continue. En fait j'avais pris une coque à ma mère pour son Galaxy S6 Edge normal. Mais sauf que comme elle a changé, du coup la coque elle me sert un peu à rien. Donc pour celles qui la veulent, n'hésitez pas. Voilà, en fait c'est une coque miroir. Et ici avec plein de petits strass. Désolée. Voilà, donc plein de petits strass. Là c'est en fait c'est en silicone et là c'est du plastique, mais elle est vraiment jolie. Et puis voilà, ensuite je continue. J'ai pris deux petits trucs pour ma soeur, donc je vais vous les présenter. Un petit collier comme ceci avec une petite boule. En fait il est très joli et j'espère que ça lui plaira. C'est pour son anniversaire, bon c'est en avril mais bon. J'ai pris mes avances parce qu'avec AliExpress on sait pas quand est-ce qu'on reçoit, donc voilà.
Je lui ai pris aussi un petit ébène. Donc avec des fleurs assez jolies. Assez jolies. Bien élastiques. Ouais, voilà, bien élastique. Voilà. Donc c'est de la grosse daube. Bon, on va essayer de s'arranger, on fera un petit nœud, quoi. Bon, ben voilà la qualité, hein. En direct. Bon, mais je sais pas, je verrai où je recommande, où je vais essayer de le réparer, je sais pas. Bon, ben voilà pour ça. Ensuite, je continue avec les deux dernières choses. Donc en fait, j'ai reçu un truc que je n'ai pas commandé, donc ça doit être un vendeur qui s'est trompé. C'est une petite palette. Donc de chez The Balm. C'est la California Driver License. Je vais. Bah d'ailleurs je me suis maquillée avec celle-ci. Je sais pas si vous verrez. Les yeux, j'ai mis de l'highlighter et du blush de cette palette là. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Le derrière est comme ceci. Donc là je pourrais pas vous mettre le lien parce que du coup, bah, vu que je l'avais pas commandé. Il y a le petit miroir. Et voici la palette. Donc c'est écrit It's my way on the highway. Et en fait ça veut dire c'est ma route ou l'autoroute, c'est marqué dessus. Donc il y a un blush, un highlighter et deux fards à paupières. Donc je vais vous les swatcher pour que. Donc le blush, l'highlighter, le. Désolé, ça a coupé parce que mon iPad n'a plus de batterie, donc je vais continuer. Donc là vous avez l'highlighter, là le blush, là le fard lid et là le fard crease. Donc voilà. Le marron est un peu poudreux. Donc voilà l'highlighter, je sais pas si vous le verrez bien avec la luminosité. Voilà le blush, le fard lid. Et le fard crease, mais ça va, ils sont bien pigmentés. Puis en plus, j'ai gratuit, donc j'en suis assez contente. Voilà pour ceci. Et le dernier article. Ah non, l'avant-dernière, pardon. J'ai oublié l'article. Mon chéri m'a pris une paire de Converse. Donc, c'est pas de la marque Converse, c'est la marque BIRP. En taille 38. Donc, la gauche me va bien, mais la droite me va un peu petite. Donc je sais pas, c'est peut-être parce qu'il faut que je la forme. Et en fait c'est couleur jean et la couleur un peu saumon. Voilà, mais elles sont de bonne qualité, la même qualité qu'en magasin. Et je crois qu'on les avait payées 11€ et quelques, un truc du genre. Mais elles sont jolies. Et donc, pour finir, le dernier article, c'est mon coup de cœur de cette commande en fait je crois. C'est un baume à lèvres, donc c'est le Romantic B. Donc, en fait c'est une imitation des iOS. Donc moi j'ai pris rose fuchsia. Alors ça s'ouvre comme ceci. Il sent trop bon et ils hydratent mais vraiment bien les lèvres quoi. Franchement je vous conseille ce baume. Il hydrate mais parfaitement les lèvres. Et pour le prix j'ai dû le payer 50 centimes. J'en suis vraiment contente. Je compte prendre les autres couleurs qu'il y avait. Et franchement je suis contente. Il n'y a rien à dire. Et donc voilà, je crois que c'est tout pour AliExpress. Oui. Donc bientôt, je pense vous faire un lookbook. Donc si j'arrive bien à le monter et tout. Et oui, donc je voulais vous dire, je me suis commandé la tablette Samsung Tab 4. Et donc si vous avez des sites de montage à me proposer, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, pareil, n'hésitez pas à liker, vous abonner et me dire en commentaire. Et ben voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je réfléchis. Oui, je crois que c'est tout. C'est tout. Et donc voilà, petit bidou commence. Là vous verrez pas grand chose mais
on va commencer un peu à prendre. De toute façon, tous les mois de ma grossesse, je prends une photo et après, je vous ferai un gros montage vidéo pour que vous voyez comment ça a évolué. Et puis, bon, là, je suis presque à 4 mois, donc le 18, je serai à 4 mois. Et donc, lorsqu'il faudra préparer la valise de maternité, tout ça, donc je crois que c'est à 6-7 mois, je vous présenterai tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, poser des questions, tout ce que vous voulez. J'y répondrai. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous en espérant que ma vidéo vous aura plu. À très bientôt.